Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. L'autre sujet, ministre de la République, transport, communication, ingénieur Nader Joséus, dans tête d'une délégation, fait une autre visite d'inspection sur route Pénia, dans la commune Pétionville. Ministre Santé a regardé l'état route là, dans l'idée pour TPTC, pour une amélioration et puis permettre la circulation faite bien dans la zone. Richardson Jourdan avec Hervé Pierre pour plus de détails. Garder état route là, c'est objectif visite ministre TPTC à Nader Joséus dans zone Pénier, commune Pétionville. Ministre Joséus qui te gagne avec les directeurs départementaux TPTC l'Ouest là, à Kazek là, promettre pour porter amélioration dans situation difficile habitant zone là à faire face à cause mauvais état route là. Et nous vivons une réalité, hein? Donc moi gardé lui, moi déjà passé des consignes et à ingénieur Chervin et à Pont Task Force. Ensemble avec le service d'entretien et direction départementale de l'Ouest, pour premièrement pour enlever tout sédiments, c'est des bons remblais, et nous prenons le côté nous à réutiliser, et pour nous faire un dégraveur, mais en terre battue, appel, mais à chaque fois la pluie vient pour nous enlever les, qui permettent pour nous fonctionner. Mais il y a un bagage qui est certain, il faut qu'on ait ça fait. Faut qu'on ait ça fait, faut nous fondre l'eau là et pour nous permettre de drainer de l'eau à côté pour et faire de l'eau arriver dans l'exutoire là. Nous allons faire un curage côté que nous allons mettre force nous ensemble, c'est-à-dire S2EU avec DDO. Nous allons mettre force nous ensemble pour nous voir si nous faisons une sorte de bassin de rétention. Et cela a servi de dégraveur. Et puis chaque temps, il est plein, nous allons nettoyer lui. Parce que vraiment travail qui pour l'IAN, c'est à aller en face côté que nous avons d'importance. Nous croyons que c'est Evis qui la donne. Nous croyons que là encore, cela revient et à la justice pour entrer bouche dans la cause, hein, de telle sorte que pour nous jouer en prise, pour nous traverser avec une sorte de dalo en dedans là. Kazek et habitant Pénier expliquent le problème qu'ils ont rencontré. Pendant qu'ils disent qu'ils ont tant de responsables agir, pressé. Pénier généralement sont des zones qui sont vulnérables par rapport à la pluie. Je dis à la extrémité là, nous pensons facilement. Tout arriver là, il faut faire 5 impasses pour venir là. Mais pour le problème majeur, c'est pour du beau. Là pour côté pour nous pour ça va passer là je dis fait Fatima sur Nza qui mon cap sur le côté vina vina le ven l'autre pèlerin vina là c'est grave. Alors nous du gouvernement il faut que le petit mois ça il a des gains par rapport à là les cas où me gratter peigner ou me foutre bagaille mais t'as souhaité que nous tout moyen avant d'affiner pour marrer parce que bon nous comprenons nous je dis à moi c'est casse parti pour moi même mando pour pas pour à jamais avant aller pour ma gouverne monsieur. Nous regrettons, ce n'est pas pour la pluie, pour nous venir là, pour nous faire route Pénia, pour nous avoir une situation, si nous ne pouvons pas aller à l'école, nous ne pouvons pas traverser, là, pour nous sécher le bon. Alors, nous demandons l'État, s'il vous plaît, pour nous voir ici, à Pénia. Responsable de travaux publics, il fait connaître avant longtemps matériel à privé Pénia pour commencer à faire travail qui rage dans plusieurs canaux qui représentent une menace pour les habitants de la. Bonsoir tout le monde, j'en note annoncé l'institut Premier ministre Ian Dr. Claude Joseph annoncé gouvernement déjà prend toute disposition sécuritaire pour bon déroulement référendum dans l'élection. Premier ministre IA fait connaître toute institution dans l'État qui engagée dans l'organisation référendum avec l'élection déjà mobilisée pour permettre la population à voter dans le centre vote. Yon extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec Unité Mobile TNH. Nous avons discuté ensemble mesures de sécurité pour centre de vote qui pourra permettre que nous réaliser deux grands chantiers que nous connaissons. C'est le référendum constitutionnel avec l'élection. Vous connaissez que nous n'avons pas qu'à engager nous et réaliser deux chantiers sans support police nationale. Donc c'était un plaisir pour nous ouais, à quel niveau la police nationale est motivée pour nous engager nous sur deux chantiers ça
et pour nous réaliser yo, pour nous permettre que population yo même dit oui ou non d'abord à référendum là pour nous une nouvelle constitution et ensuite pour nous organiser le premier tour et élection législative à présidentielle et ensuite deuxième tour. Donc nous t'es ensemble débattre question sécuritaire. Nous t'es gardé centre de vote. Centre de vote qui passe de centre de vote à risque, donc ça me d'aller centre de vote qui dans zone verte. Nous t'es gardé centre de vote qui dans des zones et probablement qui a un petit problème mais certainement que la police nationale là a sécurisé ça n'a carré centre de vote dans zone jaune et nous avons gardé centre de vote qui gagnait un risque sous yo qui particulièrement dans ça dans les zones rouges. Fort heureusement police nationale là avec conseil électoral provisoire là il y a travail pour yo sécuriser tout centre de vote pour permettre mon yo exprimer yo librement dans deux élections ça yo dans deux scrutins ça yo scrutin ça n'est pas capable le référendum constitutionnel là et élection yo moi également féliciter police nationale là particulièrement DGPNH là qui présentait à gouvernement qui présentait également à conseil électoral provisoire là un plan national intégré de sécurisation du référendum constitutionnel du 27 juin 2021. Travail ça, c'est un résumé, si l'on voulait, de 10 plans de sécurisation pour 10 plans qui présentés par chaque et directeur départemental et de sécurisation référendum constitutionnel. Moi, très optimiste comme Premier ministre AI sur deux chantiers ça. Moi, très certain que la population yo a gagné une opportunité en toute sécurité pour exprimer. Et Premier ministre AI a mandé la population pour l'équité débat fait dans le département géographique pays a sous référendum constitutionnel là qui prévoit réaliser dimanche 27 juin 2021. Premier ministre Aïa Claude Joseph invité acteur en opposition pour mettre ensemble avec le président de la République là, Jovenel Moïse, pour former un gouvernement Union nationale pour capable adresser problème pays à un extrait dans le micro. Rachel Sefort à Unité Mobile TNH. Ça empile là nous pour essayer côté gain de contestation au niveau des battements. Mais nous parlons également côté un bon débat qu'a fait. C'est ça que fait, nous font appel à tout le monde dans tout le département yo, quitter le débat au fait. Convaincre mon yo soit pour voter oui dans le référendum là ou bien voter non. Pas craser débat ou bien pas gagner un petit téléphone dans un smartphone. Ou quand PDO a fini de faire bruit et vous postez sur toutes les réseaux sociaux comme quoi que on n'a pas gagné qu'a fait là l'écraser dans le référendum écrasé dans tout le département ou bien initiative là écrasée dans tout le département. Donc on nous plus tolérants yon a clôture parce que son exercice démocratique pas oublier c'est pour un décret qui prend pour yon gagner une nouvelle constitution parce que le tape illégal c'est un référendum qui pourra le faire pour nous doter pays de une nouvelle constitution. C'est une modification pour le faire de constitution qui est là. C'est une nouvelle constitution. Donc, il est important pour nous permettre de participer dans le débat, pour nous permettre de voter. Si c'est non qui vote, ça veut dire tout simplement que le peuple n'a pas voulu notre référendum. Pas vu notre constitution à travers le référendum là. Si c'est oui, ça le dit peuple là, les veulent notre constitution à travers le référendum là. Qui donc ça pour nous permettre mon nous faire c'est voter. Quitter moi fini rapidement pour me dire. Moi même qui devant nous là, moi c'est
un premier ministre pour un petit bout de temps. Constitution pays a fait que maximum de temps que nous avons passé dans tête primature là, après président te fin accepté démission PM Jout pour convenance personnelle, c'est 30 jours. Moi, j'étais 4 jours. Qui te lancé appel ça à toutes amies, frères, ceux qui sont en opposition. On n'a pas quitté l'opportunité ça a passé. C'est une opportunité pour nous saisir. Pour ensemble, avec le président de la République là, pour nous chita, former un gouvernement d'union nationale qui a bien en tête li, un autre premier ministre définitif. Ça permet que nous facilitons la tâche là à conseil électoral provisoire là, à la police là, à tout le monde qui est impliqué pour nous permettre de réaliser deux grands chantiers. Plus monde non accueilli par la bénéficier service d'INEPA selon sa responsable annoncée non sans sa direction nationale de l'eau potable à assainissement inauguré un réservoir qui a une capacité 500 mètres cubes de l'eau dans la commune m'a dit 11 milliards. Travail réalisation ça a rentré dans le cadre de GFO d'INEPA fait pour renforcer le système hydraulique à Kaya. Rodney Léon avec Théodore Danius a présenté un compte rendu sous ça en suivant. C'est dans la localité Brabrilé, dans la commune Akaye, réservoir ça qui a une capacité pour stocker 500 mètres cubes de l'eau trouvée li. Travail ça, c'est en première phase dans le cadre projet qui vise à renforcer le système hydraulique Akaye, selon le directeur Oripa Louesla. Depuis 1998, la ville de Akaye est dotée d'un système d'alimentation en eau potable avec un forage du côté de Bassemaye. Avec l'étendue de la ville, l'accroissement de sa population et quelques défauts de dimensionnement sur le système d'adduction en particulier, sur le volume de stockage et sur la dimension des canalisations, ce système connaît beaucoup de difficultés pour l'approvisionnement en eau des habitants. Grâce à réservoir ça, environ 5000 moun dans centre ville Akaye ak zone qui dans voisinage yo pral joindre de l'eau. L'ente fait une simulation, nous vinn voir que première phase là, si n'arrive faire réservoir d'air d'homme là fonctionner qui te gain plus que 4 ans pas de jamais fonctionner et nous te gain une grande préoccupation pour lui-même. Eh bien, si nous fait fonctionner et s'il fait réservoir intermédiaire de 80 mètres cubes en béton armé que nous faisons tous les deux fonctionner, eh bien, nous sommes capables de remplir le réservoir ça et réservoir de 80 mètres cubes en plus de 60 mètres cubes en moins de 5 heures de temps. Et comme ça, nous avons gagné une station de pompage qui a fonctionné sous groupe électrogène en raison de 5 heures de temps par jour. Et nous avons gagné une quantité d'eau suffisante pour faire mon centre-ville à Kaye et environnant bénéficier de l'accès à de l'eau potable. Jean-Président, Son Excellence Jovenel Moïse, toujours instruit d'INEPA. Et c'est dans ce sens que nous arrivons à inaugurer FASA. Directeur général Miri Akaya remercie responsable d'INEPA pour travail ça. Pendant le bail garanti, Miri a continué à collaborer avec d'INEPA. Dans la deuxième phase projet A. Nous tenons à vous faire savoir que nous sommes prêts à collaborer avec vous dans la deuxième phase du programme, de respecter et de faire respecter ce sublime ouvrage. Acceptez, mesdames, messieurs, de bien vouloir remercier au nom de l'Orcaillet les contribuables espagnols. C'est l'ambassade pays l'Espagne qui finance la première phase projet. Pour ça qui gagne la deuxième phase là, l'ambassade pays l'Espagne là déjà répond pour continuer à accompagner d'INEPA. Et cet investissement sera accompagné d'un autre investissement d'environ 3 millions de dollars pour étendre les réseaux de distribution de l'eau en Akaye.
En total, nous espérons que ces travaux permettront l'amélioration de l'accès à l'eau de 25 000 personnes. 342 000 dollars américains, c'est quantité l'agent travaille pour réhabiliter et puis alimenter réservoir ça à coûter. C'est film Tempo Construction qui exécute projet A. Voilà, et merci avec tout le monde qui débranché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous débranché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.